Alors, j'aimerais maintenant regarder le ciel et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe d'un point de vue énergétique. Alors, je devais te demander simplement de fixer le ciel dans une zone où il n'y a pas trop de changement de nuages. Voilà. Oui. Et tu vas essayer de fermer les yeux, mais sans complètement les fermer. C'est-à-dire, les garder au minimum, comme entre-ouverts. Et de fixer vraiment le fond du ciel. C'est-à-dire, ne pas te limiter à ce qui apparaît, mais essayer de regarder à l'infini. Donc ne te fixe pas sur la pointe des arbres, mais vraiment sur le fond du ciel. Alors je vois... Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Là, je vois... En fin de compte, je ne fixe pas de point particulier. Je regarde vraiment le ciel bleu à l'infini. Sans m'attarder sur un point, voilà. Et en regardant ça, j'ai l'impression de voir plein de petits points brillants qui bougent à droite, à gauche, très très vite. Alors, est-ce qu'ils sont tous pareils? À date, oui. Voilà. C'est-à-dire que si tu regardes bien, tu verras qu'ils sont la plupart de même intensité. Oui. Mais regarde, certains sont légèrement plus brillants, plus gros que d'autres. Toujours en regardant... Voilà, tu vois, il y en a certains, si tu laisses suffisamment de temps, tu verras qu'il y en a certains qui ont une luminosité légèrement inférieure par rapport à d'autres. Ok. Voilà, et petit à petit, maintenant je t'invite à regarder plus loin, plus haut. Voilà, tu arrives à les suivre? Et d'essayer de suivre le mouvement de ces petits points. Quel mouvement est-ce qu'ils décrivent dans le ciel? On dirait qu'ils forment des 8. Voilà, c'est le mouvement du lemniscate. C'est le mouvement de la vie elle-même. Et ils vont suivre tout le long ces 8 qui vont se suivre les uns les autres en série. Et regardez, une chose importante aussi, c'est que jamais ils ne vont se toucher. Tout à fait. Alors est-ce que c'est pas un effet d'optique? Pour savoir si c'est un effet d'optique, oui. Je te demandais simplement de déplacer ton regard, oui. Et de voir si les points suivent ton regard. Pas du tout. Ils restent au même endroit. Tu vois, parce que s'ils restent dans ton regard, effectivement, tu vas voir, tu vas les retrouver partout, au fur et à mesure que ta tête se déplace. Oui. Maintenant, je vais te demander de respirer tranquillement, fermer les yeux, juste à l'espace d'un instant, et on va voir encore autre chose, encore plus loin. Pour les yeux, regarde maintenant vraiment très haut. Et simplement oublie les petits points, respire profondément. Voilà. Est-ce que le ciel te paraît uniforme? Un point, non. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des zones plus sombres? Est-ce qu'il y a des zones plus claires? C'est comme s'il y avait des lignes. Voilà. Mais qui sont ombragées. Voilà, c'est les fameux nadis, les courants de vie, qu'on a vu tout à l'heure, oui. Qui vont traverser le ciel, de part en part. C'est vraiment les systèmes d'irrigation de la Terre en énergie. Comme on les voit dans le ciel, et bien on les voit aussi sur Terre. C'est une sorte de miroir des courants qu'il y a sur la Terre. Oui. Et c'est ceux qui vont approvisionner l'énergie vitale. Alors,